Bonjour, je m'appelle Morgane Lagui-Perseguin, j'ai 29 ans et je suis la fondatrice des Éditions des Lacs. C'est une maison d'édition indépendante et alsacienne qui est toute jeune puisque nous l'avons créée en 2019. Les Éditions des Lacs proposent différents genres littéraires. L'idée, c'est véritablement que les lecteurs puissent se reconnaître dans les ouvrages que nous proposons ou dans les personnages en fait, qui arpentent nos livres. On a trois collections, une collection qui s'appelle Reflets, où là on va être sur véritablement du témoignage de la vie réelle. On a une collection Méandre, où on va regrouper les ouvrages de fiction, donc par définition issus des méandres de l'imagination des auteurs. Et on a une collection qu'on a appelée Gouttes, puisque là ce sont tous les recueils de nouvelles ou de poésie, donc les petits formats, les petites gouttes. Alors nous sommes venus sur le salon de La Rochelle avec trois de nos auteurs, avec Olivier Saurin qui est l'écrivain du Nombril de Solvay qui est sorti le 25 février dernier. Nous sommes venus également avec Emmanuel Drouet qui est psychologue de profession, qui a écrit un recueil de poèmes sur toutes nos souffrances finalement, qu'elles soient permanentes ou passagères. Et nous sommes également venus avec Mathieu Albaïzetta, qui est l'auteur de La Femme Muette. C'est un fringant trentenaire qui s'est mis dans la place d'une septuagénaire qui a vécu un demi-siècle sous l'emprise d'un mari d'abord indifférent, puis violent ensuite. C'est un auteur qui permet de donner de la voix à ceux et celles malheureusement qui sont contraints au silence.